Elle est belle, sauvage et volcanique. On dit d'elle qu'elle est un pont entre l'Afrique et l'Europe. Elle peut en tout cas se vanter d'être la plus grande île de Méditerranée. Je veux bien sûr parler de la Sicile. Benvenuti pour de nouvelles échappées belles. Point de départ, Palerme. La capitale sicilienne se livrera à nous sous le regard avisé de Chiara, que je vais rejoindre dans un instant. Il n'est pas trop tard pour récolter des olives gorgées de soleil. Stefano m'accueillera sur son domaine familial à Montevago. C'est à Trapani que nous dégusterons les meilleures pâtes aux sardines de l'île. C'est chez Angelo. Mais avant cela, rendez-vous matinal sur le marché aux poissons. Si encore, bravo. Moment magique avec une plongée en apnée à Syracuse avec Enzo, l'alter ego de Jacques Mayol. Petit tour par Taormine avec Giulia. L'objectif de ce voyage est de rejoindre l'Etna. Allez, andiamo, Chiara nous attend. Et ciao Chiara. Ciao. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? On va très bien. Tu sais, je profitais du soleil sur les marches du théâtre Massimo. C'est une bonne présentation de la ville de Palerme. Un beau point de départ. Voilà, la capitale du règne de Sicile. Oui, parce qu'il s'agit bien d'une capitale. Hein. Ah ouais, tu peux les remarquer bien, en fait, des monuments, de l'atmosphère. Alors, on est vraiment sicilien avant d'être italien. J'insiste là-dessus parce qu'on parle souvent du caractère un peu particulier des Siciliens. Ah oui, on a toujours l'idée du stéréotype du Sicilien comme l'homme d'honneur et donc l'homme des mafias. Mais il faut vraiment découvrir que la fierté des Siciliens, c'est toujours aussi la fierté des citoyens honnêtes. D'accord. Alors tu vas être ma guide dans les rues de Palerme? Oui, bien sûr. On y va. Je te suis. Sophie, on est arrivé au marché du Capot, donc on entre vraiment dans le cœur de la ville de Palerme. Ça, ça m'intrigue là. Ah oui, parce que tu ne la connais pas. Non. Parce que c'est la courgette longue qu'on retrouve tout simplement ici en Sicile. Tu la prépares comment, toi, cette courgette? En fait, tu la coupes en petits morceaux, tu la mêles avec les feuilles. D'accord. C'est comme des feuilles de citrouille un peu. Oui, c'était très tendre. Ouais. Et après, en fait, tu prépares des pâtes avec ces soupes. Ça doit être très bon. Oui. Ouais. Les marchés racontent l'histoire de la ville de Palerme dans les siècles, mais les marchés racontent vraiment aussi l'histoire sociale de Palerme. Tu vois, ici, il y a beaucoup de marchands, beaucoup de commerces, et ces commerces, en fait, sont vraiment soumis à la loi mafieuse du racket. C'est ce qu'on appelle le pizzo, c'est ça? Oui, exactement. Tu vois, tu les connais. Ouais. En fait, c'est un mot sicilien, mais c'est quelque chose qui est connu dans tout le monde parce que c'est une forme de racket, de violence à travers laquelle la mafia impose, en fait, son contrôle dans la société sicilienne. C'est vraiment un sujet qui te passionne. Dénoncer ça pour toi, c'est très important. Oui, bien sûr. Ouais. Avant d'être rattachée à l'Italie, la Sicile a été dominée. Grecs, Romains, Arabes, Normands ont défilé à la tête de l'île. Devant ces envahisseurs successifs, les Siciliens ont fait face en famille, soudés pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le clan des Siciliens. Rencontre avec l'un de ces clans, la famille de Nino. Nino a 44 ans et son restaurant, c'est une affaire de famille. Sa femme et sa fille de 23 ans tiennent les caisses. Son père est en cuisine et il y a aussi les cousins, les frères et les oncles. Ok, la suite. Deux panini avec du fromage à emporter. Mon surnom, c'est Nino la ballerine, car je bouge tout le temps. Je prépare la spécialité de Palerme, le panini à la rate.
C'est devenu le travail qui nourrit ma famille. Juste une portion. 3,50 €. En Sicile, il y a beaucoup de commerces familiaux. La famille, c'est une sorte de protection contre la crise. Surtout en ces temps si difficiles. Les sandwichs à la rate de Nino ont traversé les guerres et les crises. Depuis 1802, sa famille cuisine ses abats à Palerme. Il a pris la suite de son grand-père et de son père. Salut. Salut Nino. Fidèle au poste. C'est quoi? C'est du mirou. Un beau garçon. On est dans le quartier du Capo, où je suis né. Mon père, mon grand-père, toute ma famille est née ici. Et j'espère y mourir. Tu peux revenir dans 40, 50 ans, et tu retrouveras toujours les mêmes personnes avec leurs cheveux blancs, vieux et assis sur une chaise. Il est bon mon poisson! Frais et local l'espadon! Espadon à la tomate! Tu vas pas me battre à ce jeu-là! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Oh, becce vivo, vivo, vivo! Et regardez qui vient par là! Giovanni a 70 ans. Il est né dans le quartier du Capo, comme son fils Nino et comme ses parents avant. Avant, on était des vendeurs ambulants. Toujours, toujours travailler. Un peu là, un peu là. J'ai toujours fait ça, toute ma vie, ça a été mon chemin. Le travail dans la famille sicilienne, c'est très important. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Rosaria a rencontré son mari Nino au Capo. Ils étaient voisins et ils ont grandi ensemble. Le pilier de la famille, c'est la mère. C'est elle qui gère les enfants, l'école, le travail. C'est le cœur de tout, elle ne s'arrête jamais. La maman, c'est la mama. Le père, c'est une figure, une présence forte. C'est comme ça depuis toujours en Sicile. Et ça doit rester comme ça. Mais au final, c'est la mère qui décide. Le père, on l'entourloupe pour qu'il croie que c'est bien lui qui décide. Voilà pour vous, mes jolies. Merci. En Italie du Sud, plus de 50% des hommes mariés vivent à moins d'un kilomètre du domicile de leur maman. Dans ma vie quotidienne, la religion est en première ligne. C'est fondamental, comme la tradition, la famille. Pour moi, les choses les plus importantes sont l'église, la famille et le travail. On attend les pâtes. La famille, c'est notre force. Quoi qu'il arrive, la Sicile, c'est la famille. Buongiorno. Buon appetito. Merci, mon amour. Merci, ça suffit. Bon appétit. Le rôle du père, c'est de se lever tous les matins pour travailler. Réussir à tout prix pour gagner de quoi vivre. C'est quelque chose qui naît avec toi, l'honneur. Ma.
bon, Sophie, je vais te présenter Tinder, ouais. Et la coppola storta. Bonjour. Oula, c'est un petit paradis pour moi ici. J'adore les chapeaux. C'est beaucoup plus qu'une casquette alors, c'est ça? Il y a toute une histoire derrière, racontez-la-moi. L'histoire de la coppola est très particulière, car elle fait partie de notre coutume sicilienne depuis longtemps. C'était devenu très populaire, et c'est très symbolique, car à l'origine, il n'y avait que les nobles qui portaient des chapeaux. D'un symbole de démocratisation, on est passé à un stéréotype mafieux, car c'était les hommes de main de la mafia qui la portaient à la mode 23 heures, inclinés sur le côté, comme ça. Nous avons joué sur l'ironie en appelant notre entreprise la coppola storta, la coppola inclinée, en démontrant ainsi qu'on peut donner une nouvelle image à la Sicile qui veut se racheter. De nos jours, la femme aussi porte la coppola. Ah ouais, ça te va très bien. Ah ouais, tu le portes super bien. Quand on a envie de parler avec les gens, on la porte avec la visière relevée. On est ouvert à la communication. Quand on la porte baissée avec les yeux presque couverts, c'est un signe de fermeture. C'était une symbolique précise qui s'est créée en Sicile. Et voilà, Sophie. Bienvenue au Palais Royal, au Palais de Normandie. Cet endroit, c'est un monument historique de la ville de Palerme. C'est un lieu vraiment aussi du pouvoir, parce qu'ici, il y a le siège de l'Assemblée régionale de Sicile. Bonjour, bienvenue au Palais Royal des Normands. Bonjour Sophie, bonjour Chiara. Alors vous êtes ici dans le palais institutionnel le plus ancien du monde. C'est plus de 2500 années d'histoire qui vous accueillent. On l'appelle le Palais des Normands ou Palais Royal parce que la partie la plus représentative de ce palais a été réalisée pendant la domination normande au XIIe siècle sous Roger II, premier roi normand de Sicile. Voilà, on est ici dans le chantier de restauration qui concerne une bonne partie de la section des Bourbons. Elle est liée à des réalisations du 19e siècle. Et voici Salvatore. Salvatore ? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous rejoindre ? Oui. Oui ? En plus, il parle français, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette visite. Merci pour votre accueil. Hein. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir admirer ces fresques. Oui, mais ce n'est pas des fresques. Ce ne sont pas des fresques, pardon. Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'ils sont des pittures murales. Des peintures murales. Murales. Il y a eu des grands tremblements de terre. Et ça veut dire que ça a fait bouger les murs, c'est ça, ces tremblements de terre? Ah oui. Donc vous avez décroché des parties des peintures? Dans ces cas, on a choisi de décrocher le mortier avec la peinture. Et là, dessous, il y a la peinture. Tu veux nous montrer? On ne la voit pas parce qu'elle est bien protégée. Mm-hmm. Et donc après, vous allez enlever cette pellicule? Après, on va lever et on va redonner de nouveau la peinture. Là, on voit un état de travail avancé, mais on peut aller un petit peu plus en avant et voir une pièce qui est presque terminée. Venez, je vous invite à voir cette pièce-là. Dis donc, ça doit être une sacrée satisfaction quand c'est terminé, quand c'est comme ça. Oui. Ouais. Imaginez cette chambre dans la même condition de l'autre. Et on veut donner toujours un esprit de quelque chose qui était plutôt jamais touché ou qui a plutôt besoin d'être restauré plutôt que quelque chose qui efface complètement le siècle qu'il a. Bon, et ben alors on va faire les inspecteurs des travaux finis l'année prochaine et on viendra voir. On va prendre une bonne glace à l'extérieur parce que ça c'est très intéressant. Una brioche congelata. Avec grand plaisir, la prochaine fois alors. Ciao. Ciao.
bon, Sophie. On va prendre un bon café ici. C'est un endroit un petit peu spécial pour moi, parce qu'en fait, tu vois, ça fait partie d'un circuit anti-mafia. Adio Pizzo, c'est un mot en fait inventé par les fondateurs de l'association qui veut dire adieu raquette. Et donc, cette association gère une sorte de réseau de commerce dans lequel les citoyens, mais aussi les voyageurs, par exemple, qui viennent dans la ville de Palerme et qui choisissent de préférer en fait un commerce qui est sûr qu'il ne paye pas à la mafia. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé en fait la ville de Palerme. Et donc désormais, je pourrais dire que c'est vrai, la mafia existe, mais il y en a qui luttent contre. Elle va terminer, ouais. Et ouais. Parce qu'il y a des gens qui toujours s'engagent dans la lutte contre la mafia. La pieuvre mafieuse. La Cosa Nostra étouffe la Sicile avec son histoire aussi réelle que fantasmée. Dans les années 80, une guerre des mafias éclate. 1000 homicides en 2 ans, dont un par jour à Palerme. À cette époque, Pier Giorgio n'est pas encore commissaire, mais déjà l'écrivain qui noircit les premières pages de ses polars. Si je pense à mes 18-20 ans dans les années 80, je pense à une ville noire, sinistre. Une ville qui se tait. Il n'y avait aucun lieu pour que nous, les jeunes, on se divertisse. On ne pouvait pas échanger des idées ou parler de comment affronter la Cosa Nostra. Et en 1992, les juges Falcone et Borsellino sont éliminés. Pour les tuer, la mafia fait sauter une autoroute et un quartier de Palerme avec 2 tonnes de TNT. La Sicile aura sa vendetta. Ces meurtres marquent le début de la lutte anti-mafia. Depuis, de nombreux parrains sont tombés. Ces figurines sont vraiment ridicules. Il y a quelque temps, c'était impensable de pouvoir se moquer de Cosa Nostra aussi librement. Donc oui, les touristes achètent le mafieux avec la moustache et la coppola. C'est comme acheter une statue d'Empire State Building. Direction Corleone, le fief historique de la mafia. Au 19e siècle, la Cosa Nostra se déploie aux États-Unis. L'organisation domine le milieu du crime, inspirant de nombreux films à Hollywood. Le village devient célèbre, mais aujourd'hui, Corleone veut briser l'omerta du parrain. Deux fois par mois, les rues de Corleone prennent un coup de jeûne. Ces journalistes en herbe distribuent leur journal satirique. Bonjour. Voilà nos nouveaux exemplaires. La toute première fois que Maria Rosa a vu le parrain de Francis Ford Coppola, elle était au Canada. Merci beaucoup. Au revoir. Les gens me demandaient « Tu connais ce lieu ? Tu connais cette personne ?» Et ça m'a fait mal, car ils sont tous convaincus qu'il existe une famille Don Corleone, qui aurait fait tout ce qui est raconté dans la trilogie. Mais cette famille n'existe pas. Et ils croient encore que c'est la réalité de Corleone. Maria Rosa et d'autres jeunes de la rédaction sont venus s'installer à Corleone. On enlève ça, on enlève ça. Comme beaucoup de Siciliens, ils étaient partis ailleurs en Italie ou à l'étranger pour travailler ou étudier. À l'étranger, quand tu dis que tu es sicilienne, on te dit « Haha, la mafia !» Et quand je dis que je suis de Corleone, il y a un instant où les gens se taisent, ils te regardent de travers et ils ne savent pas s'ils peuvent te faire confiance ou pas. Pourtant, à Corleone, il y a une multitude de gens qui font autre chose, des choses bien pour porter la culture. J'aimerais que Corleone soit traité comme n'importe quelle ville d'Italie. Ces jeunes sont revenus ici avec l'espoir de changer l'histoire et l'image de Corleone.
Ciao Buongiorno. Stefano, bonjour à tous. Ciao Sophie. Ça va? Ciao. Comment vas-tu? Je ne suis pas trop en retard pour la récolte des olives? Non, je t'en prie. Ciao Sophie. Sergio, le frère de Stefano. Ah d'accord. Ok, le frangin. Vous avez tous fait le choix, là, les frères et sœurs, de venir travailler sur l'exploitation familiale? Nous avons tous choisi de faire des études. Ma sœur a fait de la musique, moi de l'architecture et mon frère de l'histoire. Et ensuite, nous avons compris que ce que nous possédions avait une grande valeur, même si c'est une exploitation modeste. Nous avons fait un choix d'une vie éthique et on ne le regrette pas. Pro veritate adversa diligere. Pour la vérité, on doit affronter les difficultés, c'est ça? Ouais. Allez, on va cueillir les olives maintenant. Il reste encore une branche là qui est bien chargée que tu peux récolter. On y va tout de suite alors. Et ici, il est toujours la bienvenue. Hein. Je te présente Gasparino. Il connaît toutes les blagues et histoires du coin. C'est notre ménestrel. D'accord. Grazie, grazie mille. Oui, Stéphane, j'étais curieuse de savoir comment faisait la récolte des olives. C'est à la main, donc. Oui, on produit tout à la main, on n'utilise pas de machine. On a une production limitée pour miser sur la qualité. Là, on les ramasse toutes, même celles qui sont séchées? Oui, toutes. Tu plies une branche comme ça. Tu marches, et si elle tourne sur elle-même, c'est qu'il y a de l'eau. Comme ça. Et après, je cherche s'il y a de l'eau. Et si ça monte ou si ça descend, c'est ça? Marche, marche. Et alors? S'il y a de l'eau, elle va tourner. Et là, il y en a. Non, j'ai triché. Je redécouvre cette terre petit à petit. Je creuse parmi les ruines que le tremblement de terre nous a laissées et je tente de reconstruire une histoire oubliée. Ici, on a la rue Giuffrida, l'une des rues de l'ancien village de Montevago. Il a été détruit par le tremblement de terre de 68 dans la nuit du 15 janvier. Justement, ici, il y avait la maison de ma mère dans laquelle elle a vécu toute sa jeunesse. Juste ici, là. Oui, c'est celle-là, avec le palmier. Et c'est toujours émouvant pour toi de te balader ici, dans ces ruines? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très évocateur et émouvant d'être ici. Je fais de mon mieux pour me débarrasser du voile de l'oubli. J'essaie de redécouvrir les traditions, les valeurs, et de remettre au goût du jour toutes ces belles choses. Ciao. Ciao. Ça va? Ciao. Ça va, Tristana? Là, nous avons de la mofoletta. C'est notre pain traditionnel au fenouil. On le mange avec de l'huile. Notre huile accompagne tous les plats de la cuisine sicilienne, de notre cuisine locale. C'est un patrimoine à préserver absolument, mais aussi un trésor de goût et de convivialité. Car il ne faut pas oublier le plaisir de la table, qui est l'un des plaisirs de la vie. Allez, venez trinquer avec nous, les travailleurs là, ceux qui ont bossé ce matin. Aiuta lo mercato a cattare una giummetta, etta etta la giummetta, arra la chitarra, scru scru fa pulcetto. Cucuru cucu fa lo gattuzzo, caraca caffa la gattina, ciciri cippa putici. O puticino va ciciri ci, sempre lo chiamano un bolivini. O puticino va ciciri ci, sempre lo chiamano un bolivini. O puticino va ciciri ci, sempre lo chiamano un bolivini. Uè, bravo!
Au loin, à peine à 150 km, les côtes tunisiennes. Il y a 1000 ans, l'île était sous domination arabe. Et la conquête a commencé ici, à Mazara del Vallo. Les Arabes ne sont restés que 200 ans. Et pourtant, le centre-ville s'appelle encore la Casbah. À Mazara, le baroque européen côtoie la Casbah, les couleurs, les petites rues, les odeurs de la Tunisie. La culture arabe fait partie de notre identité. Giulia est étudiante en architecture. Gianna, elle, est chanteuse. Ses ancêtres, une famille de pêcheurs venus d'Andalousie, ont des origines arabes. Moi, j'avais un père dont le visage rappelait celui d'un arabe. J'ai souvent pensé que mon père était arabe, comme moi. De son passé arabe, la Sicile a conservé le goût des pâtisseries, comme la cassata, à la pâte d'amande et aux fruits confits. La cassata, c'est la reine des douceurs siciliennes. Les Arabes ont apporté en Sicile les pistaches, le miel, les amandes et le sucre. Des ingrédients qui sont à la base de notre pâtisserie, comme celle des Arabes. Et quand les Siciliens parlent ou chantent leur dialecte, la mélodie a des airs d'Orient. Des centaines de mots arabes ponctuent le sicilien. Pendant la domination arabe, la langue arabe était parlée dans toute la Sicile. Mais ils n'ont pas tous imposé leur langue. Les Siciliens ont continué à parler leur langue en même temps que l'arabe. Et après, ils ont conservé les mots arabes utilisés dans la vie quotidienne ou dans l'agriculture, par exemple. Aubergines, courgettes, grenades, agrumes, les Arabes ont introduit tous ces produits en Sicile. Ils ont développé l'agriculture sur laquelle repose aujourd'hui encore l'économie sicilienne. Là, il y a des fleurs. On va aller voir ça. Antonino cultive le safran, une épice amenée par les Arabes. Les Arabes ont déconstruit le système des grands propriétaires terriens. Ils ont redistribué la terre en petites parcelles pour qu'elle soit mieux travaillée avec un meilleur rendement. Ils ont baissé l'impôt sur la terre. Ils ont cherché à s'intégrer au maximum avec la population sans les dominer, mais en cherchant une cohabitation harmonieuse. On a fait un risotto. Les cultures du riz et du safran ont été amenées par les Arabes. Et là, les arancines sont faits avec du riz farci à la viande. Beaucoup de nos plats viennent de la culture arabe. Les Arabes ont développé leur agriculture grâce aux techniques d'irrigation qu'ils ont installées et utilisées aussi en ville. Ça fait moins 20. Cette équipe explore les souterrains de Palerme. Ils ont déjà arpenté plus de 10 km dans ces canaux. Ces canaux ont été creusés pour recueillir l'eau. Et avec ce système de galeries et tunnels, ils amènent l'eau des sources vers la ville. Celui-là est très tortueux, car il ne transportait pas l'eau, mais il captait les eaux. On descend. C'est beau, qu'est-ce qu'elle est limpide. Ici, il y a une source, regarde. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'eau au-dessus. L'eau était utilisée pour les jardins et elle l'est encore aujourd'hui. Les Arabes ont marqué l'histoire de la Sicile. Ce sont d'ailleurs eux qui ont fait de Palerme la capitale de l'île.
On est ici comme tous les matins pour acheter du poisson pour mon restaurant. Comme tu peux le voir, tous les bateaux sont déjà au port. Parce que la météo a changé, elle est devenue mauvaise. Mais on va trouver du poisson, on en trouve toujours. Tu aimes, toi, les ambiances ici, là, sur le quai? Moi, j'adore, là, tu vois, ces pêcheurs là qui rangent leurs filets, j'adore ces ambiances-là. J'ai toujours un appareil photo sur moi quand je viens chercher le poisson. C'est mon quartier préféré. Ouais. C'est un peu mon deuxième chez moi. Tu dois pas avoir du mal à faire des portraits parce qu'il y en a, comme on dit, qui ont des bonnes gueules. Ils sont très expressifs. Le visage marqué par la mer, par le vent. J'aime beaucoup prendre des photos des gens qui travaillent. Waouh! C'est quoi cette tête? Ce poisson est moche, très moche. Ah ouais? Mais il est très bon. On l'appelle la grenouille pêcheuse. Ça, c'est pour pêcher. Puis, elle avale le poisson. Ok. Claudio! Alors voilà les fameuses sardines. Les fameuses sardines. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat qui s'appelle sardine a beccafico. Okay. Ah, vous êtes les rois du filet de sardine, hein. Vous avez une sacrée technique. 1, 2, 3, 4 et 5 secondes, un filet de sardine. Lui fait partie de toute une famille de pêcheurs-chanteurs. C'est mon quartier, là où je suis né, là où j'ai passé mon enfance. C'est ici. C'était là, ici? Ah. Elle était belle, ton enfance, ici? Oui, parce que c'est un quartier populaire. Quand on était enfant, on jouait dans la rue, on était tous copains, comme une grande famille. Et c'est ici que j'ai voulu revenir après tant d'années passées à travailler à l'étranger et en Italie. Car je veux terminer ma carrière à Trapani. Cucina alla trapanese. Cucina alla trapanese. Parce que Trapani est à l'intérieur de moi. Elle coule dans mes veines et dans mon sang. Et donc, dans tout ce que nous cuisinons, il y a le vent de Trapani, le coucher de soleil et les parfums de Trapani. D'accord. Ce plat s'appelle pâte à la palina, des pâtes mélangées avec du chou-fleur. L'élément standard, c'est la sardine. Souvent, on parle de la mamma en Italie, la mamma qui fait les pastas. Est-ce que finalement, le secret de toutes ces recettes, ce sont les femmes qui les ont ici, les mamas? Je pense que le secret de la cuisine des mamas, c'est l'amour. Et quand j'ai une invitée aussi charmante que toi, alors c'est facile de cuisiner avec amour. En tout cas, moi, ma maman, elle m'a toujours dit de finir mon assiette, alors je mange. Comment tu faisais tout à l'heure? Comme ça. Les Siciliens ont depuis toujours le goût de la séduction. Mais y a-t-il une recette de la drague à la sicilienne? Ciao. Tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée. Compliment à ta maman. Elle a bien travaillé. Tu es très belle. D'où tu viens, toi? Paris?
Besançon ? Tu as les plus belles dents que j'ai jamais vues. Tu es une femme magnifique. Une beauté internationale. La tchatch pour tenter de vous séduire. Cupidon d'opérette ou fier Apollon, le séducteur espère que le charme de la Dolce Vita opère toujours. Les actrices de cinéma ont une grosse influence sur les jeunes. Elles ont donné envie aux jeunes Italiens d'être libres sur leur Vespa, de faire des clins d'œil aux filles, des regards un peu insistants mais sympathiques, toujours avec le sourire. La Vespa est sexy. La Vespa séduit. C'est une arme, un moyen de séduction. Quand j'allais à l'école, c'était le moyen de raccompagner les filles pour sortir ensemble. Et même si ça ne marche pas à tous les coups, les regards appuyés des Siciliens ne laissent pas les Siciliennes indifférentes. Marco se joue du Rital Lover. Il est humoriste. La rue, pour un Sicilien, c'est le théâtre par excellence. Le Sicilien est un dragueur professionnel. Il doit être parfait. Tout doit être parfait. Même une mèche de cheveux. Une mèche de cheveux doit tomber de la bonne façon. Venez chercher un mari pour l'été. C'était le slogan d'un club de vacances sicilien dans les années 70. Le bien nommé Baron Si c'est bon prodiguait alors ses leçons de séduction à tous les charmeurs des environs. Même pour des Aldo Maccione et en maillot bien ajusté, la sérénade ne s'improvise pas. Vous n'avez pas besoin de prendre le soleil. Vous êtes le soleil. Tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Dans ce jeu, on cherche une forme de virilité. En Sicile, on dit que dans un foyer, une famille, l'homme commande, mais la femme décide. Un Sicilien, il est perdu sans une femme. Donc, tous les moyens sont bons pour la conquérir. Éconduit ou conquis, le séducteur italien ne laisse pas de marbre. Il y a un côté assez rétro, en fait, assez fleur bleue, à l'ancienne. Donc par exemple, il y a « Hey, fragolone, hey, fragola », c'est « Hey, salut, fraise », chose qu'on n'entendrait jamais en France. Le rapport à la femme est assez particulier, puisque je pense qu'il y a l'aspect de la religion, de la tradition catholique, chrétienne, qui est assez important, c'est que la femme est mise sur un piédestal, est sacralisée presque. Les Siciliens sont tellement convaincus de leur pouvoir de séduction qu'ils en deviennent presque irrésistibles. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bien, tu as fait bon voyage? Oui, je te remercie. Bienvenue à Marittimo. Grazie mille. On y va? Ok, je te suis. Depuis Trapani, là, j'ai eu la chance d'admirer les îles de l'archipel des Égades. Est-ce qu'on peut dire que celle-ci, Marittimo, c'est la plus sauvage de toutes? Oui, c'est sûrement la plus sauvage, surtout parce qu'elle s'est détachée de la Terre 600 000 ans avant Favignana et Levanzo. Elle a gardé une nature sauvage. Il y a des plantes endémiques qu'on retrouve seulement ici, des plantes extraordinaires et particulières. Voilà, Sophie, nous sommes arrivés à l'hôtel de mon ami Fausto. Tu vas pouvoir poser tes valises. D'accord.
D'accord. Voici Fausto. Bienvenue, Sophie. Merci beaucoup. Tu as fait un beau voyage ? Oui, très bien. Donne-moi ton sac à dos. Si, c'est gentil. Merci mille. Je suis sous le charme. Oui. J'aime beaucoup. Grazie. Oh là là, il y a une vue imprenable d'ici. Hein. Tu vis vraiment dans un petit coin de paradis. Hein. Toi, tu es arrivé quand, ici, sur l'île ? Presque 20 ans. Je suis arrivé ici à vélo et j'ai eu un coup de cœur. Je vais te présenter mes amis, Salvatore et Pietro. Bonjour. On va faire du bateau avec Pietro. Si, bonjour, ciao. Pietro. Pietro, bonjour. Salut. Ciao, ciao, Pietro. Il y a une histoire très belle à propos de ce château. C'était une ancienne tour sarrasine, où vivait un pirate sarrasin avec ses deux femmes. Il y a une anecdote qui dit que, par jalousie, une des deux femmes a tué l'autre. Et quand le pirate est revenu, il a jeté l'autre depuis la tour. Sophie, là on va rentrer dans une grotte. La grotte du chameau, elle est très jolie. Avant, elle était peuplée de phoques. Sophie, ça c'est notre petit musée de la mer. Ici se trouvent les trésors de toute l'histoire de Marettimo, l'histoire de l'immigration, l'histoire de ces pêcheurs qui partaient partout en Méditerranée, puis au-delà des océans, en Californie, en Alaska, au Portugal. C'est vraiment tout un concentré de l'identité de l'île. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ils sont partis tous ces pêcheurs? Il n'y avait plus de ressources ici? Si, il y avait beaucoup de poissons fin 19e, début 20e, mais on n'arrivait pas à les vendre. Ils souffraient beaucoup et avaient une vie dure dans l'île. Et alors, ils ont décidé, comme des Ulysses modernes, d'immigrer de l'autre côté de l'océan. Ils sont allés en Californie parce qu'ils savaient que là-bas, ils pratiquaient le même type de pêche qu'ici. Ça veut dire qu'il y a des familles qui ont été complètement éclatées, complètement séparées ? Oui, parce que les hommes partaient en Californie et les femmes et leurs enfants restaient là. Comme on peut le voir sur beaucoup de photos, ce sont les hommes qui étaient en Californie qui envoyaient les photos à leur famille. C'était une correspondance de photos pour montrer comment ils vivaient. Les vrais pêcheurs, ils sont là. Bonjour. Sofia. Bonjour, Sophie. Pippo, c'est ça? Vous rentrez là de la pêche? Ça s'est bien passé aujourd'hui? On a du mal à vendre, car il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui reste, on le met dans le frigo et on le mangera cet hiver. Est-ce que vous avez eu des membres de votre famille qui ont quitté l'île aussi ? Oui, j'ai de la famille en Californie, car après la guerre, c'était très dur. En allant là-bas, ils ont fait fortune avec le saumon en Alaska ou le calamar en Californie. Bien sûr qu'ils ont eu de la chance. Eux, ils ont trouvé du travail et ils s'amusent à Las Vegas. Et moi, je vais où? On n'arrive même pas à trouver une quatrième personne pour jouer aux cartes. Il faut trouver quatre personnes et on n'est toujours que trois. C'est à croire que tout le village est parti en Californie. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vivre avec la pêche, donc on vit aussi avec le tourisme. Avec les deux, on réussit à s'en sortir. Moi, je prends toujours la vie avec le sourire. Je suis tellement joyeux que mes cheveux refusent de blanchir. Non, mais avec des gens comme vous, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Cette histoire va rester très, très présente et très vivante. Merci beaucoup pour l'accueil. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Allez, bonne chance, Sophie, ne nous oublie pas. Sous l'azur, les abysses.
ces eaux profondes, hostiles à l'homme. En apnée, Patrizia Majorca plonge à Syracuse. Son père, Enzo Majorca, a ouvert la discipline aux grandes profondeurs. Cette combinaison me rappelle beaucoup de peurs. Toutes mes peurs d'homme. Enzo et Jacques Mayol, son alter ego français, ont inspiré le Grand Bleu à Luc Besson. Avec 13 records du monde, ce pionnier de l'apnée s'est enfoncé jusqu'à 101 mètres sous la mer. La première fois que j'ai plongé, c'était en 1943. Il n'y avait pas de masque, pas de palme, mais moi j'existais. Comme tous ceux qui avaient survécu à la guerre. J'ai trouvé un masque à gaz que j'ai transformé en masque de plongée. C'est la première fois que j'ai vu la mer à la verticale. Et je lui ai dit, tu es mon grand amour. Et à tort, je pensais que la mer m'appartenait. Tu vois quelque chose dedans ? À 83 ans, Enzo a donné le goût du bleu à sa petite fille et à sa fille. Fais essayer. Pas mal. Mon premier souvenir est teinté d'azur. J'avais 2 ans. Mon père faisait une tentative de record. Je me rappelle avoir été attirée par le bleu de cette mer. Alors j'ai plongé, alors que je ne savais pas nager. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première plongée en apnée. Patrizia jouait avec le tuba de papa pour ramasser des coquillages. Et attirée vers le fond dans les années 70, elle a laissé la mer l'étreindre pour battre des records. Aujourd'hui, les apnéistes descendent à plus de 200 mètres. Mais à l'époque, lorsqu'il est le premier à atteindre la profondeur de 50 mètres, il défie la science. Avant, les scientifiques pensaient que l'homme ne pouvait pas arriver à la profondeur que j'ai atteinte. Ils pensaient qu'au-delà de 50 mètres, l'homme devait imploser, écrasé sous la pression de l'eau. Mais je ne m'inquiétais pas. Je ne les croyais pas, les scientifiques. Franchir une limite, c'est autant de mètres à remonter pour respirer. Et à ce moment-là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je te rejoins, maman. Ah, c'est froid. L'apnée, c'est la manière la plus naturelle d'approcher la mer. L'apnée, c'est un moment magique. Quand tu descends, il y a un moment où tu as l'impression d'être touché par une baguette magique. Tu deviens un animal marin, c'est magnifique. Et quand tu dois remonter, la magie s'évanouit.
Buongiorno, Maurizio. Buongiorno. C'est un plaisir de te voir. Ah, t'as les mains déjà dans la pâte. Ah, je t'embrasse. Ça va? Ça va très bien. Ok. Ah, tu arrives au bon moment pour m'aider à faire du pain. Ah bah c'est parfait. Le pain n'attend pas, hein. Il pane et non aspetta. Oui, il faut aller vite. Est-ce que je porte déjà bien le chapeau? Parfait, tu ressembles à une vraie boulangère. Maintenant, tu me fais des boules de pâte, comme ça. Tu peux le faire de ce côté. Et tu me les passes, moi je fais les formes. Ok, des petites boules comme ça. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier de boulanger? La chose la plus enrichissante, c'est d'arriver à faire le pain comme on le faisait autrefois, comme le faisaient nos grands-parents, et arriver à faire un pain de très très haute qualité. Tu fais ça très bien. Tu pourrais ouvrir une boulangerie. Mais n'ouvre pas une boulangerie en Sicile, tu risques de me faire faillite. Alors, tu aurais pu faire le choix de t'installer hein, dans une grande ville. Mais non, toi, tu as choisi un petit village comme ici, comme Santa Rita. Pourquoi tu as voulu rester dans ton petit village? Mon grand-père était le propriétaire de ces locaux et de plusieurs terrains qu'il a légués à mon père. Ils avaient un petit élevage et des champs de blé. Donc ici, il y a mon histoire, celle de mes ancêtres. Et moi, j'essaye de rester ici et d'y vivre paisiblement. Ça se passe comment ta vie ici au quotidien? T'as pas un peu l'impression d'être dans un village fantôme un peu? Il faut que tu imagines que derrière chaque porte vivait une famille. Chaque famille avait 5 à 10 enfants, c'était des familles nombreuses. C'était un village très peuplé, il y avait 80 à 90 familles. Aujourd'hui, on n'est plus que 10 personnes. Ah oui, c'est vraiment un tout petit village maintenant. Hein. Tout le monde a immigré. Ils sont tous partis en France, en Allemagne, pour chercher du travail. Le village est complètement abandonné. Maintenant, je vais te montrer mon ancienne école et l'église. Et la jolie église. Ok. La salle de classe était ici? Oui, ici, c'était ma classe. La maîtresse dormait là-bas, dans cette pièce. Il y a encore ses chaussures, là, non? Les chaussures de la maîtresse, oui. Et là, c'était l'étable avec les animaux. Il y avait une juste derrière l'école. Il y avait des vaches, un âne et quelques chèvres. C'était merveilleux, c'était très beau. T'étais placé comment? Là? Ouais. Oui, comme ça. Et la maîtresse, elle était là? La maîtresse était là, et là, c'était son bureau. C'est des bons souvenirs, tout ça, pour toi? Tu es nostalgique de cette période-là? Oui, une grande nostalgie. C'est pour ça que ce que j'essaye de faire, c'est de faire revenir le plus de gens possible ici, à Santa Rita. Pour relancer l'activité économique, je crée des événements festifs autour du pain. Chaque événement attire 1000 à 1500 personnes qui viennent de partout en Sicile. Ils découvrent le village. Voilà mon rêve, que ça redevienne comme avant. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. J'espère. J'en suis sûre. Ça te plaît? Bon, ça fait aussi partie de ton travail de t'occuper de la livraison de ton pain? Oui, ça fait partie aussi de mon travail. En plus de mes clients du village, je livre ceux qui habitent dans les alentours. Et ceux qui habitent plus loin, comme Palerme, Messine, alors on les livre par la poste. Ok. Ciao, Michele. Ciao. Le pain tout chaud. Et aujourd'hui, il est encore meilleur. C'est Sophie qui l'a fait. Oh mon Dieu. C'est un pain franco-sicilien. C'est du pain franco-sicilien. Très bien. Ce soir, je dirai à mes clients que c'est un pain à moitié français. Exactement. Je crois que c'est ça que vous attendez. Ah, du pain pour toute la famille. Ce pain me rappelle le centre de la Sicile. Il est très bon, très goûteux. Tout le monde l'aime, ce pain, ici. C'est moi qui te remercie parce que j'ai vraiment passé une très belle journée en ta compagnie. Et ce que je te propose, c'est de revenir dans 5 ans pour voir ce que tu as fait du village de Santa Rita. Il y a plein de choses à faire là-bas. Rendez-vous dans 5 ans. Ok, on fait ça, je t'embrasse. Ciao. Grazie mille. Ciao, Francesco. Ciao, Maurizio. Ciao. Buona giornata.
Elle est jolie, ma tortue, quand même. Bon, d'accord, elle a un peu perdu ses écailles, mais je suis sûre que le pain est bon. Allez, il est temps de faire un pas de côté. Vous le savez, dans nos échappées belles, nous aimons prendre la route. Depuis plusieurs semaines, grâce au réalisateur voyageur Yves Legrain-Christ, nous partons sur la route du Mississippi, un fleuve de légende, le père des fleuves, comme le surnomment les Amérindiens. Allez, cap sur l'Amérique du Nord. Moi, je vous attends ici, en Sicile. Et vous le savez, je garde l'Etna en ligne de mire. À tout à l'heure. Le Mississippi, le père des fleuves, comme le surnomment les Amérindiens, a toujours tenu un rôle fondamental dans le développement économique et culturel américain. Un fleuve remarquable à tout point de vue. Il est le plus sinueux du monde, le plus puissant, il est aussi le plus domestiqué. C'est à contre-courant que je vais remonter le fleuve depuis son embouchure dans le golfe du Mexique jusqu'à sa naissance au lac Itasca, de sa disparition jusqu'à la première goutte d'eau. Ma prochaine destination est le berceau du blues et du rock. Sur la route de Memphis, mon cœur bat un peu plus fort, avec la drôle d'impression que je vais toucher du doigt la légende. Près de Beale Street, je marche sur les étoiles. Ici, pas de stars de cinéma, mais des géants de la musique. À peine ai-je le temps d'arriver que je suis irrémédiablement attiré par le studio qui a donné ses lettres de noblesse au rock, le Sun Studio. Une effervescence inhabituelle m'attend. J'ai besoin d'un garçon pour m'aider. Mais pas vous. Vous, je vous laisse où vous êtes. Vous êtes assez occupé comme ça. Bon, je ne sais pas. Je retourne dehors. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire du Rock'n'Roll au Sun Studio à Memphis, Tennessee. Plus précisément, c'est le 60e anniversaire de l'enregistrement du premier disque d'Elvis Presley, ici, dans ce studio. Il a enregistré la chanson « That's Alright, Mama » avec Scotty Moore et Bill Black. Nous célébrons cet anniversaire de plusieurs façons aujourd'hui. On a l'habitude d'avoir du monde, on a l'habitude des visites guidées, mais on n'a pas l'habitude de monter une scène dans la rue, d'avoir une queue aussi longue pour les achats de vinyle et autres souvenirs. À l'intérieur du Sun Studio, j'ai la chance incroyable de rencontrer le meilleur ami d'Elvis, Monsieur George Klein. Après mes études, je suis devenu disque jockey dans une petite station de radio. Un jour, Dewey Phillips m'appelle et me dit « Viens me voir, je voudrais que tu écoutes quelque chose ». Il me joue un disque sans me montrer la couverture. Je lui demande « Qui est le chanteur ?» Il répond « Tu devrais le savoir, vous étiez à l'école ensemble ». Je lui dis « Quoi ? Elvis a enregistré un disque ?» Il me dit « Oui, et c'est Sam Phillips qui l'a amené hier soir ». J'ai dit « Waouh ! C'était la première fois que je l'entendais chanter ». Elvis et moi, nous étions au lycée ensemble. Plus tard, quand je suis devenu disque jockey à Memphis, Elvis venait souvent me voir à la radio. On passait pas mal de temps ensemble. Et quand je me suis marié, il était témoin à mon mariage. On le voit sur cette photo. Je suis le seul type au monde qui a eu Elvis comme témoin. Au mariage, j'ai dit, « Elvis, tu as ton pistolet sur toi ?» Il y en avait toujours un sur lui. Il m'a dit, « Ouais ?» Je lui ai dit, « Pointe-le sur ma tête comme si tu me forçais à me marier. » Personne au monde n'a une photo comme ça avec Elvis. Si tu regardes de près, tu verras qu'il n'a pas le doigt sur la gâchette. Quel beau mec c'était quand même. Le meilleur chanteur et le plus bel homme de tous les temps. Je pense la même chose. Elvis is the king of the rock and roll. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un de très spécial. Monsieur Jerry Phillips, qui est le fils de Dewey Phillips. Il nous a apporté le disque original de That's Alright Mama, celui que son père a passé il y a 60 ans. Alors on va écouter ce disque en hommage à la naissance du rock'n'roll. Merci à tous. Est-ce qu'on peut donner un coup de main à Jerry ? Même si je suis sûre qu'il n'a pas besoin d'aide. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right.
Cela fait 30 ans que je rêve de faire ce pèlerinage. On a déménagé à Memphis quand on a découvert Elvis. Waouh ! On vit un moment d'histoire ici, c'est impressionnant. Pour un musicien, c'est comme le Saint Graal. Quelqu'un veut du gâteau, beurre de cacahuète et banane ? Tout va bien, maman. Ici, la légende d'Elvis est toujours vivante. Et que le spectacle continue. Lorsqu'on parle de la conquête de l'Ouest, on parle de la conquête des terres à l'ouest du Mississippi. Saint-Louis, dans le Missouri, est surnommé le portail vers l'ouest. C'est de là que partaient les immigrants rêvant d'une vie nouvelle ou tout simplement d'aventure. Saint-Louis est une ville paradoxale. Elle possède à la fois la démesure des grandes villes américaines, mais aussi des lieux de vie dans lesquels les habitants aiment à flâner au milieu des œuvres d'art. Mais le joyau de la ville, c'est la Grande Arche construite en 1965. Cette arche du portail de l'Ouest est créée en hommage aux pionniers, aux chasseurs, trappeurs, explorateurs, tous ceux qui ont contribué à l'expansion territoriale et au développement des États-Unis. Durant mon court passage à Saint-Louis, je ne résiste pas à l'envie de monter voir à quoi ressemble le Mississippi de là-haut. J'emprunte un drôle d'ascenseur à crémaillère qui va m'amener à 193 mètres de haut. Des visiteurs m'informent que des violentes tempêtes ont frappé les États du Nord il y a quelques jours. Ces pluies torrentielles auraient provoqué une crue violente du Mississippi. Du haut de mon perchoir, je constate que les dégâts ont déjà touché Saint-Louis. Prenant ma route vers le nord, je découvre des paysages entièrement submergés. Comme si quelqu'un avait ouvert toutes les écluses du Mississippi. Devant moi, un champ de bataille après la bataille. Le Mississippi a toujours transporté, en plus des sédiments, des histoires, parfois même des légendes. L'une d'elles a particulièrement attiré mon attention, celle d'un homme qui s'est forgé un destin hors du commun. C'est à Rock Island, à quelques kilomètres de Davenport, que je vais rencontrer Chad. Comment ça va, les gars? Bon, pourquoi vous êtes là? Parce qu'on a besoin de vous. Il y a 17 ans, juste à cet endroit où nous sommes amarrés, j'ai vu une montagne de déchets, juste ici. Il y avait beaucoup de déchets partout, mais celui-là est la raison pour laquelle j'ai décidé de nettoyer le Mississippi. J'avais 17 ans et j'ai commencé des démarches au niveau de l'État de l'Illinois, du gouvernement. Je les ai appelés et je leur ai dit « je veux nettoyer le Mississippi ». Pendant 4 ans, j'ai entendu les gens me répondre « Qui es-tu, gamin? De quel genre de nettoyage parles-tu ? » Et non, on n'a pas d'argent. 17 ans plus tard, je poursuis toujours ma mission. Aujourd'hui, on a nettoyé 798 sites sur 23 États. On a nettoyé 20 affluents. 70 000 volontaires se sont joints au projet.
Vous êtes jeune et tout le monde vous dit que vous êtes le futur. Moi, je vous dis que vous êtes le présent parce que vous pouvez faire la différence maintenant. Si vous voyez un problème, que vous ayez 17 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans, quel que soit votre âge, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez changer les choses. Allez, applaudissons. Quelle que soit la raison, c'est toujours agréable d'applaudir. Ici, nous sommes dans un centre opérationnel de nettoyage unique au monde. On a 4 barges, un remorqueur, une petite grue et une flotte de petits bateaux. On va de ville en ville, on rassemble les populations pour nettoyer le fleuve. Ce centre ne sert pas qu'à ramener les déchets, il sert aussi à les trier avant de les recycler. Tout est sur cette barge. Avec un bateau, on amène tout ici, on trie et on recycle tout ça. Tout ce que tu trouves dans une grande surface, tu remues très fort et c'est ça qu'on trouve éparpillé dans le fleuve. Tout ce que tu peux imaginer. Imaginez qu'il y a 18 millions de personnes qui boivent une eau qui vient du Mississippi chaque jour. Certains endroits où je suis allé sont justes. Je ne peux même pas le décrire. C'est incroyable. J'ai trouvé des voitures, des vannes, des camions. C'est complètement fou ce qu'on trouve. Nous ne sommes pas financés par le gouvernement et ça coûte 2 millions de dollars par an pour gérer cette opération. Seulement des donations. Les gens ne sont pas obligés de donner, mais ils le font. Ce que je trouve génial, ce n'est pas la quantité de déchets qu'on sort, mais le nombre de gens qui sacrifient leur week-end, qui se lèvent à l'aurore et viennent travailler avec nous. Il y en a des milliers. C'est génial d'être le témoin de ça et d'y participer. Allez, suivez-moi. Here we go. See, when I first started, quand j'ai commencé, tout cet endroit était une horreur. Il y en avait partout. Tout ce que tu vois ici était plein de déchets. Mais en 17 ans, on a vraiment changé les choses. Tu te rappelles le film Seul au monde ? Il n'y a que moi et Wilson ici. On trouve beaucoup de Wilson ici. Ce qui est agréable quand il y a une crue comme celle-là, c'est que tu peux naviguer au milieu d'une forêt sans jamais voir personne. Pas jeté intentionnellement dans le fleuve. Il y a des trucs qui sont jetés ailleurs, mais avec la pluie, les rivières, ça finit ici. Chad a obtenu le prestigieux prix Jefferson, c'est-à-dire l'équivalent d'un prix Nobel aux États-Unis pour service rendu à la nation. Il donne la preuve qu'une simple idée portée par la passion est plus forte que tous les éléments contraires. Quand tu réfléchis, mon boulot, c'est de nettoyer le fleuve, de ramasser les poubelles. Donc je suis un éboueur. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un super métier. J'adore faire ça.
Very cool. Comme l'a dit Hemingway, le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on le défende. Ma remontée du grand fleuve continue. Ma prochaine étape sera Minneapolis. Ça va? Très bien, je te remercie. Et toi, ça va? Je vois que tu ne t'es pas perdu. C'est simple d'arriver au théâtre grec. Ah bah ça c'est sûr, oui. Ça. À Taormine, le théâtre antique, tout le monde connaît, hein? Ah oui, tout le monde ici le connaît. Il est tellement célèbre. Nous avons une vue magnifique. L'origine du nom de Taormine. Taormine a été une des premières colonies grecques. Les Grecs ont d'abord fondé Messine, ensuite ils sont descendus vers Taormine. Et Taoroménion signifie en grec la montagne qui ressemble à un taureau. Ça, c'est notre spécialité. C'est quoi exactement? C'est à base de ricotta. Oh là là là, ça c'est très bon. Hein. Ce sont des cannolis. Grazie, grazie. Merci. Alors, j'en profite pour te montrer une carte de l'Etna. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire demain. Alors, demain, nous allons marcher. Première arrêt ici, et là, je te montrerai un endroit très particulier jusqu'à ce qu'on arrive ici. Bon, parfait. L'Etna, c'est vraiment ta passion, on peut dire ça. Oui, et mon amour. C'est ça. Bon, bah écoute, je suis vraiment impatiente de découvrir ton amour, parce que toi, tu es de Catane et tu t'es formée vraiment pour être guide sur l'Etna. Oui, j'ai étudié pour devenir guide naturaliste. C'est ma plus grande passion et c'est le plus beau métier du monde. Connaître quelques langues étrangères t'aide, c'est donc un travail merveilleux. J'ai hâte de te faire découvrir le volcan demain. Très bien, bah écoute, on va prendre un peu de vitamine alors pour notre découverte de l'Etna. Viens, suis-moi, Sophie. Ça, c'est la rue la plus étroite de Taormine. Je vais te montrer l'atelier d'un ami artisan qui travaille la céramique. Allez, on y va, c'est ici. Ciao Marco. Ciao, bonjour Sophie. Enchanté. Ça va? Merci. Vous avez un très bel atelier, une très belle boutique. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Là, j'étais en train de dessiner un paysage traditionnel sicilien, dans la tradition des paysages qu'on faisait auparavant. Non, il ne faut pas toucher, s'il te plaît. Oh, pardon, excuse-moi. Pardon. C'est très délicat. C'est des couleurs spéciales pour la céramique. Et il faut aussi imaginer le rendu final après la cuisson, car les couleurs ne seront pas les mêmes une fois la cuisson terminée. Marco, la céramique, c'est une tradition ancienne ici à Taormine? Il y avait ici des artistes céramistes pendant le Moyen-Âge, ou plutôt la Renaissance, la période vers 1400. D'accord. Ils
fabriquais des décors avec des sujets, comme celui-là. C'est très beau, ça. Ça, c'est très joli. Hein. Celui-là représente l'arbre de la vie. C'est un petit peu comme de la bande dessinée, comme un livre ouvert, ces céramiques. Elle raconte notre terre, nos couleurs, nos images et aussi un peu de nos rêves. En arrivant, Julia, j'ai repéré quelque chose pour toi. Si. Regarde. C'est un cadeau pour toi. Je vais te l'offrir, celui-là. Regarde. Le voyage, ce n'est pas de découvrir de nouvelles terres, mais de changer son regard. Ce panorama est magnifique. Regarde la beauté de la mer. Elle est belle, plate, cristalline. Tu peux voir toute la côte de Taormine. Et c'est où le continent alors? Où est l'Italie? L'Italie, c'est là-bas. Là-bas. D'accord. Et je peux te dire que depuis cet endroit, on peut apercevoir également mon Etna. Il est là-bas? Il est là-bas, ton Etna. On ira demain. Plus au sud, la ville de Catane se réveille au pied de l'Etna. Aujourd'hui, la neige caresse les braises du volcan, mais il n'est pas rare de voir une pluie de cendres s'abattre sur la cité. Tous les matins, les habitants offrent leur premier regard au volcan, l'un des plus actifs au monde, et la journée peut commencer. Bonjour. Un granita au citron avec une brioche, s'il vous plaît. Un granita de Léon, une brioche. Autrefois, les charretiers descendaient la neige de l'Etna jusqu'à Catane. Et quand il faisait particulièrement chaud, cette glace qu'ils amenaient au marché aux poissons, ils la mélangeaient avec du jus de citron. Et on la mangeait. C'est comme ça qu'est née la granita, la spécialité de Catane. En 1669, la colère de l'Etna détruit Catane. 1 milliard de mètres cubes de lave ensevelissent la ville. Et comme dans l'insouciance d'une nouvelle catastrophe, Catane renaît de ses cendres. Il est beau, mon poisson. Je vais en prendre une tranche. Tiens, regarde comme elle est belle, celle-là. Une renaissance avec la lave destructrice pour se reconstruire. À Catane, la lave est partout sur les murs, aux fenêtres, par terre. Cette pierre-là, c'est de la lave. À Catane, tout est noir. Cette couleur fait partie de ma vie. Toi, tu regardes un arbre le matin, moi la lave. Elle fait partie de moi. Je la sens couler en moi, dans mon sang. Massimo remonte la Via Etnea. Une coulée d'asphalte pour relier la mer au volcan. Comme dans toutes les communes de cette terre de feu, une rue célèbre le géant incandescent. L'Etna te protège comme une mère. Si tu le regardes et que tu le connais, il te parle. Il te dit s'il fait beau ou mauvais, d'où vient le vent. Tous les habitants de Catane qui se respectent se tournent au moins une fois par jour vers l'Etna. Pourtant, un dicton sicilien dit « Lorsque le volcan éternue, Catane tremble ». Alors, qu'il fume ou qu'il gronde, les croyants se tournent vers la Vierge, comme dans ce sanctuaire dédié à Sainte Marie de la Roche, pour implorer la clémence du volcan. Car les forges menaçantes de Vulcain savent se montrer prodigues. Agrumes, pistaches, olives. Sur les flancs du volcan, la terre est fertile. Elle nourrit la ville. Les vignes de Sebastiano sont plantées sur une ancienne coulée. C'est du Nerello Mascalese. Ouais, c'est ça. Lorsque l'Etna prépare une éruption, il nous prévient. Il crache des cendres qui nous donnent un truc en plus. Les cendres tombent, elles apportent des sels minéraux à la terre, ce qui la rend plus fertile. La terre se régénère à chaque fois. Je vais te faire goûter mon vin. Ah, bonne idée.
Regarde ce rouge cerise brillant. On le doit à notre terre. L'Etna, ce n'est absolument pas une menace. Moi, j'aime le voir comme une femme sicilienne particulièrement susceptible. De temps en temps, elle s'énerve et pendant 5 minutes, elle se met en colère. Enfin, la Sicilienne s'énerve quand même très régulièrement, si ce n'est pas tous les ans. Et parfois, pendant plusieurs mois, ces villages sont menacés. La lave s'approche dangereusement. Imaginez qu'ici, on est au centre de la coulée de lave de 2001. Basta immaginare come tutto questo poteva essere rosso. Tout était en mouvement. Il y a quelques mois, Giuseppe a filmé ces images. À chaque nouvelle éruption, il joue avec le feu. On dort sous la tente pendant plusieurs jours. On avance vers le cratère en évitant les pierres qui nous tombent dessus. Les semelles de nos chaussures ont même un peu fondu. Ça sent le caoutchouc brûlé. L'odeur typique quand on s'approche trop près du volcan. C'est étrange, à Catane, tout le monde dit on va sur la montagne, alors que c'est un volcan. Je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être une façon d'exorciser, d'oublier que c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Alors, je t'avais dit que j'avais une surprise. Maintenant, on est à l'intérieur du volcan. N'aie pas peur, parce que ce sont des grottes tout à fait normales qui se sont formées à la suite d'une série d'éruptions. Celle-ci date de 1792. J'ai vraiment l'impression qu'on entre dans le ventre du volcan. Hein? Oui, c'est ça. C'est parti. Fais attention à ta tête. C'est vraiment important pour toi de venir dans les entrailles du volcan. T'as l'impression qu'on le comprend, qu'on le connaît un petit peu mieux. Oui, c'est très important pour comprendre la dynamique d'une éruption et la conséquence qui n'est pas toujours destruction, mais aussi création. C'est vraiment quelque chose d'incroyable d'être là sur l'Etna. J'en rêvais depuis longtemps. De toute façon, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel d'être ici. Oui, chaque jour, c'est une émotion différente. Quand nous changeons de saison, les fleurs, les feuilles des arbres qui changent de couleur, c'est un changement continu. Pour les Catanais, l'Etna, c'est une fierté, une mère. C'est notre montagne, on en est très fiers. On appelle l'Etna la dame. Quand l'Etna se revêt de blanc l'hiver, on dit que la dame s'habille d'une robe blanche, comme si elle se mariait avec l'hiver. On a ce lien très fort, très familial avec notre volcan. Il a toujours été là. Là, Julia, je vois un cratère, mais il y en a plusieurs, hein, c'est ça, des cratères à l'Etna, hein? Oui, sur l'Etna, il y a plus de 300 cratères comme celui-là. Ce n'est pas un volcan de type explosif. Nous avons un volcan de type effusif. Quand tu vois la lave qui sort, c'est fascinant. Thank you.
Cette brume qui nous accompagne, ici, c'est quelque chose de très normal. Et maintenant, pour nous consoler, j'ai une surprise pour toi. Non, un cadeau pour moi. Oui, c'est la pistache de l'Etna. L'or vert, mais comestible. Je vais en prendre moi aussi. Elles sont très très bonnes. Et il y en a un des trésors ici, hein, sur l'Etna. Mais probablement une des plus belles récompenses, j'imagine, c'est d'assister à une éruption du volcan. C'était quand la dernière fois que tu y étais ? Oui, c'était cette année. Je l'ai vu naître, cette éruption, parce que j'ai suivi l'activité au fur et à mesure. On a senti des tremblements volcaniques. Ensuite, nous avons vu les projections de cendres. Voir cette coulée de lave incandescente dans l'obscurité, faire un trekking de nuit et la fatigue, ça, je n'oublierai jamais. Surtout le fait de respirer cette atmosphère volcanique. C'est une sensation vraiment inoubliable. Alors Sophie, j'espère que tu as passé un bon moment aujourd'hui. Écoute, j'ai adoré cette journée, vraiment merci beaucoup. J'espère quand même un jour pouvoir voir l'Etna en éruption. Hein, on verra. J'espère moi aussi. Tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Bon là, en tout cas, il est dans la brume, mais c'est pas grave. Grâce à toi, ces échappées belles se terminent en beauté. Merci beaucoup, ma chère Julia. Merci. Merci pour tout. Tout à l'heure, tu m'as fait un cadeau, tu m'as offert des petites pistaches. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu vas voir, je suis sûre que ça va te plaire. C'est Maurizio, le boulanger de Santa Rita, qui fait un très très bon pain. Voilà. Non. C'est moi qui l'ai fait. Cadeau. Si. Ah, grazie. Merci. Oui, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Grazie. Voilà, j'espère que ces échappées belles vous auront plu. Comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage. D'ailleurs, comment on dit... Tu t'es mis de la farine au bout du nez. Comment on dit faites de beaux voyages en italien ? Et buon viaggio. Eh ben voilà. Fate buon viaggio. Tout est dit. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.